Et le son, c'est en bas de ton écran à droite quand tu fais glisser la souris sur Facebook. Voilà, on est en live. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà, on est en live. Nous sommes du coup affichage galerie. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais essayer de voir si vous êtes là. Voilà, comme d'habitude, il y a Frédéric. Merci Frédéric pour cette. Merci beaucoup hein, d'être aussi fidèle. Je suis accompagnée de Zoé aujourd'hui. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Gamar Gamarchoba. Salian Sassiamo On Noach. aurait. Kwani Sumro. Chani Sumro. Madloba, on aurait pu même faire notre live en géorgien finalement, parce que tu parles tellement bien le géorgien que c'est complètement bilingue. Du coup, je vais regarder dans Gamarjoba, Frédéric. J'ai quitté Bach pour vous. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça. Enfin, je suis sûre que ça va être intéressant. Frédéric, comme d'habitude, on va attendre deux, trois petites minutes, hein? D'accord? Alors, depuis le Zoom, c'est un peu décalé. Donc, nous, quand on parle, vous l'entendez 2 minutes après. Du coup, c'est pas évident, mais voilà, on s'habitue. On va. Bonjour toutes les deux. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci, nos fidèles abonnés et nos fidèles spectateurs. Alors, ce direct, je voulais le dédier à la France. Non pas parce que seulement parce que j'habite ici, et c'est mon deuxième pays, et c'est mon pays de cœur, je peux le dire. Mais il y a 3 jours, on a fêté le 14 juillet, la fête nationale. Bonjour Damien, bonjour, bonjour Eka, bonjour. Bonjour à tout le monde. Du coup, temps fort de l'année pour moi et pour tous les Français, je pense, le 14 juillet, qui se déroule sur la plus belle avenue du monde. Et où chaque Géorgien, quand ils arrivent, en premier lieu, ils vont sur l'avenue des Champs-Élysées, ils vont sur la place de la Concorde. Je ne sais pas si tu sais, Zoé, mais c'est impressionnant. Ils viennent voir la Tour Eiffel, évidemment, mais après, ils vont aller absolument faire la balade sur les champs. D'accord. Cette année, la particularité, et je pense que la Géorgie entière a été fière de cet événement, c'est que, il y a une jeune, au défilé militaire de cette année, nous avons retrouvé une jeune Géorgienne, elle s'appelle Nino Giunashvili. Oui, j'ai vu ça. Et, oui, tu as vu. Alors moi, ce qui m'a touchée, j'avais les larmes aux yeux, c'est un bel exemple de gratitude des Géorgiens envers la France. Et voilà, habituellement, c'est vrai qu'on est fiers aussi hein, de participer à la fête nationale. Mais là, c'était deux fois plus, on avait deux fois plus de fierté. Et en plus, au grand concert de Paris aussi, on a eu deux jeunes femmes. Oui. Plein, plein de talents, deux jeunes musiciennes géorgiennes exceptionnelles, Khatia Bouniatichvili, qui avait ouvert même avec Stéphane Bern le concert de Paris, et Lisa Batiachvili, qui est violoncelliste, donc Khatia, c'est une pianiste que vous connaissez tous, et Lisa Batiachvili, donc ça a embelli encore plus la fête nationale française pour les Géorgiens. Encore une fois, la Géorgie entière a été fière de cela. Et à Oui. travers tout cela, évidemment, on peut. Enfin, je répète, je me répète et je répéterai ça tout le temps. Je pense qu'à travers tout cela, il est très important de souligner, encore une fois, l'importance des relations entre nos deux pays, l'amitié entre nos deux pays. La France pour les Géorgiens, enfin, tu me corrigeras parce que tu habites là-bas, Zoé, et tu me diras ce que c'est, mais.
Moi, je pense que la France, pour les Géorgiens, c'est le droit de l'homme, droit de femme, le pays des plus grands écrivains, de peintres, de cinéma, à travers les Frères Lumière, bien sûr, le pays de l'industrie, la première destination touristique, un des premiers producteurs du vin, l'art table, voilà, la richesse avec son histoire, sa culture, tout cela, je pense que ça nous lie, ça lie nos deux pays parce qu'on se retrouve. La diversité des paysages, la diversité des de régions et la joie de recevoir, de se retrouver aussi, n'est-ce pas? Donc, voilà, je pense que on est. C'est pour ça que j'ai voulu absolument que ce soit un Français, une Française, surtout une Française, ça me fait encore plus plaisir. Et en plus, que ce soit toi que je reçois aujourd'hui. Je suis fière d'appartenir à la France, à cette France. Vraiment, je suis fière. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais pas de drapeau. Il y a un commerçant en bas de chez nous, c'est très familial là, chez nous, je suis à Boulogne. Du coup, je lui ai demandé le drapeau. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'il me demande, oui, mais Tamara, mais tu n'as pas besoin de drapeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un match de foot? Pourquoi un match de foot? Il y a 2 jours, il y a eu l'indépendance. Mais on n'a pas le même rapport avec l'indépendance en France et en Géorgie. Effectivement. C'est vrai que j'ai pas pensé non plus au drapeau, mais par contre, j'ai le tchangouri, voilà, plus un Et symbole de Géorgie. Moi, donc, moi, c'est plus un un drapeau. petit clin d'œil à Hervé, parce que cette émission est dédiée aux Français, à la France. Voilà. Oui. Et puis, nous, ma famille, alors, pour remercier la France de tout ce qu'il nous a accueillis, la France, elle nous a accueillis vraiment à bras ouverts. Et nous a éduqués. Ça fait 20 ans qu'on est là et on a passé notre plus jeune âge en France. Vraiment, j'ai vécu la gratitude à donner à la France. Et du coup, tous les 14 juillet, on va aller découvrir les régions différentes de la France. Cette année, on est parti aussi. C'est la France profonde, en fait, qu'on découvre et on s'approche plus en plus. Et encore, de cette splendeur du pays. Bon, je suis comblée par la France. C'est une de ces raisons, donc c'est l'amitié franco-géorgienne. Enfin, je suis géorgienne, je suis en France, tu es française, tu es en Géorgie, c'est intéressant de savoir. Du coup, je vous Oui. présente Zoé Perret, qui vient de Montpellier et qui découvre la Géorgie grâce à ses amis géorgiens en 2006 et qui décide de partir s'installer à Tbilissi. Si je me trompe, tu me dis, hein, j'ai récupéré toutes ces informations sur Internet. Effectivement. Alors, elle ouvre, tu as ouvert un café-bar chez Zoé. Ça, Oui. c'était un coup de cœur pour moi, hein, qui devient un endroit convivial, branché, tout le monde s'y retrouvait, tout le monde. Et puis, tu proposais les plats mixtes, en fait, franco-géorgiens Oui, aussi. Et c'est tu faisais les soirées musicales. Le but, c'était de faire vivre le chant polyphonique géorgien, finalement. Oui, c'est vrai que ce qui m'a motivée vraiment au départ à ouvrir ce bar, c'était vraiment parce que je trouvais qu'à Tbilissi, il y avait finalement assez peu d'endroits où j'avais plaisir à aller le soir pour écouter la musique, pour boire un verre avec des amis. C'était quelle année, Zoé? C'était en 2014, donc en fait, ça faisait déjà D'accord. 8 ans que j'étais là. Et voilà, donc c'est vrai que pendant les 8 premières années, j'ai quand même eu des parcours assez différents. J'étais prof de français, j'ai travaillé dans l'humanitaire, etc. Et puis en 2014, je me suis dit, oui, c'est le moment, il faut faire quelque chose, un projet qui me tient à cœur. Même si en fait, c'est pas, je peux pas dire que c'est quelque chose auquel j'avais pensé vraiment depuis longtemps, mais c'est plutôt des amis géorgiens qui m'ont suggéré cette idée, disons. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas un lieu où on pourrait organiser notamment des concerts de chants traditionnels, parce que bon, comme vous savez tous, c'est vrai que la musique traditionnelle a une place vraiment importante en Géorgie, mais curieusement, à Tbilissi, c'est relativement difficile en fait de tomber sur des gens qui vont se mettre à chanter comme ça spontanément. Donc finalement, je trouvais ça sympa de faire une sorte de, enfin de, à la fois d'avoir un lieu qui était
à l'image de notre société contemporaine, qui c'est un lieu qui soit vraiment fait pour les jeunes et puis et Oui, assez éclectique mais tu es finalement. ethnomusicologue et musicienne, du coup tu aurais c'était une superbe idée pour pouvoir ménager les deux en fait, c'est ça? Pour mixer un petit peu le fait de pouvoir juste venir boire un verre de vin ou une bière ou quoi, pas dans une ambiance trop stricte comme l'opéra ou le conservatoire. Enfin, là, c'était vraiment très convivial et puis en même temps pouvoir écouter des chants géorgiens. Après, c'est vrai qu'on n'était pas non plus orienté que là-dessus parce que avant tout, c'était quand même un lieu de rencontre. Je sais que c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés, etc. Et puis voilà, de temps en temps, on a organisé ces petits concerts. Super. Et du coup, un peu plus tard, tu t'es consacré entièrement à la musique. Mais moi, Oui, ce qui m'intéresse, comment ça se fait? Quand tu es arrivé en Géorgie, déjà, la décision à prendre, tu vis à Montpellier, tu as fait tes études, tu vis comme tous les Français libres, tu fais ce que tu veux en fait. C'est pas comme en Géorgie où il faut faire comme la société va te dicter ou la famille va te dire, etc. Donc, quel est ton parcours en arrivant à Tbilissi et déjà la décision d'aller là-bas, d'aller vivre là-bas. C'est Alors, je intéressant. vais essayer. Ouais, effectivement, c'est un peu une longue histoire, mais je vais essayer de d'écourter ça pour résumer. Donc, en fait, comme tu disais, je suis musicienne depuis mon plus jeune âge. En fait, j'ai fait le conservatoire, je faisais du violon, puis je me suis intéressée au chant, etc. J'ai fait aussi des études de musicologie, donc à Paris. Et puis, je me suis spécialisée pendant ma licence et puis en master en ethnomusicologie. Donc, j'ai compris que ce qui m'intéressait finalement, c'était vraiment d'en savoir plus sur les musiques de différents peuples à travers le monde. Et comme j'avais en même temps un intérêt particulier pour le chant, c'est vrai que c'est la polyphonie qui m'a vraiment passionnée. Et à l'époque, je faisais des études de russe aussi parallèlement. Je n'avais jamais entendu parler de la Géorgie. Et donc, dans le cadre de mon master, je suis partie en Russie un an. Et c'est lors de cette année que j'ai fait pour la première fois un voyage dans le Caucase. Donc, c'était dans le Caucase du Nord. Et c'est vrai que la région, de manière générale, m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup intriguée. Je me suis dit, bon, il faut vraiment que je revienne dans cette région du Caucase un peu plus tard. Et donc, un an plus tard, j'ai eu la chance de travailler sur un festival qui est le Festival Est-Ouest en France, à Die. Et pendant 3 mois, j'étais vraiment immergée dans cette ambiance Sud-Caucase, puisque l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie étaient les invités de ce festival. Donc, dans ce cadre-là, j'ai vécu en fait avec des représentants des trois pays pendant 3 mois. Et ça m'a vraiment donné envie, en fait, à la fin de ce festival, de prolonger l'expérience, d'être encore plus immergée dans cette culture et notamment, évidemment, de découvrir mieux les chants géorgiens. Parce qu'en fait, les chants géorgiens, dans le cadre de mes études en ethnomusicologie, c'est vrai que j'en avais entendu parler, j'avais entendu des extraits, etc. Mais je connaissais mal. Et je me suis dit, c'est un parfait compromis, on va dire, à la fois de partir dans une région du monde qui t'intéresse beaucoup, et en même temps pouvoir découvrir ces polyphonies, pouvoir faire aussi de la rando, parce que j'aimais beaucoup aller dans la montagne. C'est vrai que le Caucase, de manière générale, m'attirait. Et donc, c'était vraiment mon but premier quand même, d'apprendre ces chants géorgiens. Du coup, comme j'avais déjà des amis que j'avais rencontrés sur ce festival, dès mon arrivée en Géorgie, j'étais très bien accueillie. J'ai commencé dès le premier jour à apprendre les chants de manière relativement informelle, en fait, puisque surtout à l'époque, il n'y avait pas de cours vraiment organisés, etc. Mais Donc, ça. est-ce que tu allais dans les villages pour les stages avec les maîtres chanteurs ou pas? Oui, alors bien sûr, j'ai fait partie de stages. Notamment en 2007 avec Carlinique, c'était le premier stage auquel j'ai fait partie. Mais donc ça s'est fait dans un cadre relativement Des officiel, mais villageois locaux. oui, après c'est vrai que de moi-même, à part ces stages entre guillemets organisés, c'est vrai que j'aimais beaucoup de toute façon voyager. Donc ça, depuis le début, j'ai énormément voyagé de différentes manières, avec différents transports, différentes personnes, etc. Dans les villages les plus reculés, et c'était toujours un plaisir de découvrir à la fois ces lieux, les familles, et puis les chants.
puisque en général, évidemment, j'ai été accompagnée de personnes qui connaissaient d'autres personnes, qui pouvaient éventuellement connaître des Bien sûr. chanteurs de tel village. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai appris. Donc, c'est vrai que j'avais toujours mon petit carnet. Je pense que j'ai perdu maintenant, d'ailleurs, mais les premières années, j'avais toujours mon petit bloc-notes où je notais vraiment tous les chants, toutes les paroles des chants. Donc, c'était vraiment… À part le chant, Zoé, quel était le point de repère? À part le chant, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Qu'est-ce qui était impressionnant pour toi en Géorgie et qu'est-ce que tu Disons que retiens? c'est oui, disons que le chant, quand même, c'est vraiment la chose qui me vient en premier lieu. Ah, Mais un je peu. voudrais dire, pas forcément le. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en deuxième lieu, ou même finalement peut-être en premier lieu, c'est pas seulement les chants, les mélodies en elles-mêmes qui m'ont le plus frappé et on va dire animé, mais c'est surtout les relations qu'on pouvait créer autour de ces chants. Donc en fait, Ok, c'est le bien fait sûr. de pouvoir être invité à des soupras, donc c'est banquet géorgien, et de pouvoir partager avec les autres ces chants-là, dans une atmosphère évidemment très En parlant hospitalière. de soupra, j'ai oublié de Ah t'accueillir avec oui! un verre de vin. Moi, pour cette fois, c'est français. Ah, d'accord. Lágrimas. Du coup, le chant, le soupra, le vin, tout ça, ça Oui, nous donc lie tout est lié. finalement. Tout est lié. Ben, c'est vrai que je pense que c'est des valeurs qu'on retrouve dans les deux pays. Donc finalement, je n'ai pas ressenti vraiment de choc, comment dire. J'avais l'impression quand même d'être dans un environnement relativement familier parce que j'ai eu de la chance avec les personnes que j'ai rencontrées dès le départ. Et je pense que c'est quand même ça qui est la clé d'un séjour réussi. Et puisqu'on en est au vin, moi aussi, je vais prendre un verre avec toi. Du coup, ce que j'ai choisi pour Lágrimas, toi, ça va c'était comment oui, un car on a dit était bottelette. En fait, depuis quelques années, il y a une tendance à. De plus en plus de vignerons développent le vin naturel. Et donc, voilà, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce principe donc, de vin naturel. Tu peux nous présenter ton vin? Voilà, donc c'est un vin qui s'appelle Kvatsiteli, c'est le cépage, donc c'est un cépage qui est relativement connu hein, en Géorgie, dans la région de Kartétsi, et c'est un vin de Niki Antadze, qui est donc un des fondateurs de cette association de producteurs de vin naturel, et ils ont un bar à vin et en même temps un magasin où on peut retrouver tous ces vins qui est à Tbilissi, qui s'appelle Ruino Underground. Et donc, c'est vrai, toujours, c'est vraiment un plaisir pour moi toujours d'aller là-bas et donc de me faire conseiller, Tu etc. nous mettras les adresses et les coordonnées, s'il te plaît, et le nom, Oui, s'il te bien sûr. plaît. Ça Bon, marche. moi, je bois du vin de Loir-et-Cher, d'un producteur. Dans ce producteur, on a fait le tour de France, Gagimajet Kola, Sakartvelo, à vous tous, en Géorgie et en France. Ça, bonne fête nationale hein, aux Français de Géorgie, un peu Bonne plus fête à tard, vous aussi. mais. Gagimajet. Oui, d'ailleurs, vous voyez un Du petit coup, peu cette couleur ambrée, j'avais oublié de dire, mais c'est oui, vraiment spécifique j'adore de cette ces vins couleur. de. Donc, c'est une sorte d'amphore, cette méthode de conservation du vin très traditionnelle et vraiment ancestrale en Géorgie, donc très importante. Est-ce que tu peux nous parler des Français en Géorgie? Est-ce que tu connais les Français? Est-ce que ils sont nombreux, la communauté française? Alors, on n'était pas si nombreux, évidemment, en 2006, on était moins nombreux, mais je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être à peu près 300 Français inscrits au registre des Français établis en Géorgie. Et puisqu'on parle du vin, justement, j'ai un ami un ami français qui est arrivé exactement à la même période que moi, par exemple en 2006, et qui est toujours là et qui maintenant fait son vin naturel. Donc, il y a Ah vraiment oui? différents parcours, oui. Comment J'ai eu il beaucoup d'amis qui s'appelle sont venus et la qui sont production? repartis. Comment? Comment s'appelle sa production de vin? J'ai plus le nom en tête là comme ça parce que pour moi c'est les vins de Vasseaux et C'est je pourrais intéressant. parler. D'accord. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'il y a des Français à la fois qui travaillent pour l'ambassade, pour des ONG, des Français qui ont des business aussi à Tbilissi. Enfin, il y a un petit peu toutes sortes Oui. de profils et de parcours.
Alors, par rapport à cela, par exemple, business que tu as eu et enfin, tu as décidé finalement, c'était le champ que tu as décidé de poursuivre, la musique. Mais ce qui m'intéresse, c'est en tant qu'une femme française et une businesswoman, qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté? Est-ce que c'était plutôt facile, plutôt difficile? C'était ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que tu as rencontré comme. Voilà, quelles étaient la situation en fait? Oui, alors après, je ne sais pas si je me définirais comme businesswoman, parce que c'est vrai que ce bar, c'était plus l'idée de faire un projet, de lier à la musique, que un plan vraiment de business bien, bien établi. Mais en ce qui concerne le fait d'être une Française, donc une étrangère et puis une femme, c'est vrai que notamment en ce qui concerne le chant, ce n'était pas couru d'avance, on va dire, parce que c'est vrai qu'au début, en tant qu'étrangère, ou même si j'avais été étranger, ça aurait été pareil. Je pense que les Géorgiens n'avaient pas forcément besoin de personnes extérieures pour chanter dans leur cœur, en fait. Donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup d'années pour sentir que je pouvais m'intégrer vraiment pleinement à un travail de cœur un petit peu plus approfondi que simplement autour d'une table, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Puis en 2016, je crois, j'ai intégré pour la première fois un chœur de femmes, donc l'ensemble Yaloni. Voilà, je vous donnerai aussi les coordonnées. Et pour moi, c'était une première expérience de chant avec des Géorgiennes. Et c'était, enfin voilà, j'en suis très reconnaissante parce que c'est vrai que c'était une sorte de reconnaissance pour moi. Du fait que voilà, même en étant étrangère, c'est possible. Et puis, il y a donc 2 ans et demi maintenant, j'ai créé finalement un petit ensemble. On est quatre, donc c'est Kimilia. Cette fois-ci, c'est avec des garçons géorgiens. Mais en fait, on s'entend tellement bien. Il y a vraiment une amitié très forte entre nous. Et donc, c'est vrai que ça pose pas de soucis, même si parfois, il faut quand même réussir à s'imposer en tant Je que ne vais femme. pas te cacher que quand j'étais découverte et quand j'ai écouté vos chants avec Kimilia, justement, je ne te connaissais pas avant. Et ben, la particularité, c'est qu'il y a un son et il y a la qualité de l'interprétation des chants géorgiens qui est au-delà de l'espérance. Je pense que c'est super, c'est vraiment, c'est une qualité à souligner. Et je trouve que ta voix ressort très bien avec les voix des garçons. En général, mon auditeur sait que le chant géorgien se chante soit entre femmes, soit entre hommes. C'est très rare d'avoir les groupes mixtes traditionnellement. Et d'autant plus, j'étais contente de vous trouver encore mixte dans les C'est chants vrai que traditionnels. c'est important de montrer qu'effectivement, bon, c'est bien de ne pas rester, de pas se cantonner aux stéréotypes et au fait qu'effectivement, la C'est plupart des ça. chants en général sont chantés par des hommes. Mais, et puis, il y a certaines personnes d'ailleurs qui pensent que les chants sont genrés, entre guillemets, que ça, ce chant-là, ça doit être chanté par des Exactement. femmes. Si c'est une berceuse, donc au final. Si on part de ce principe-là, finalement, le répertoire des femmes sera beaucoup plus limité que celui des hommes. Donc moi, je considère qu'on est libre de chanter tout ce qui nous fait plaisir. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est important dans le chant, dans le partage avec mes amis chanteurs, c'est qu'on puisse déjà voilà, se faire plaisir avant tout, puisque je pense que le chant, c'est avant tout ça, avant même de penser à la préservation de telle ou telle tradition, c'est vraiment... Comment dire, ressentir des et les faire passer le mieux possible à son public. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis le fait de se développer aussi, enfin, je pense qu'avec la voix, on peut vraiment apprendre beaucoup sur soi-même. Et donc, je suis pas du tout dans l'optique comme certains ensembles qui essayent disons, de se regrouper avec avec les chanteurs, les meilleurs chanteurs de telle ou telle région. Moi, Oui. ce qui m'intéresse, c'est plutôt de que qu'un puisse essayer en fait les styles de différentes régions et de différentes régions. Et du coup, on essaye de travailler vraiment sur le style, la manière de chanter de telle ou telle région. Et c'est vrai que
les choses qu'on me dit, et ça, c'est vraiment pour moi le plus grand compliment à chaque fois, c'est quand les personnes nous complimentent là-dessus. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un son à la fois qui est, enfin, qui est uni entre nous, mais on essaye évidemment de correspondre à telle ou telle région et donc à tel ou tel style, production vocale, etc. Donc, ça, c'est vrai que c'est, comme vous savez, c'est relativement diverses en fait en Géorgie selon les régions. Oui, et quelle est la région, enfin, la région que tu préfères en Géorgie, le chant que tu préfères de quelle région? Ça vient. C'est toujours très difficile de répondre à cette question parce que vraiment moi ce que j'aime c'est le côté très divers, très éclectique en fait de ces chants. Mais ce qui est sûr c'est au début je peux dire que ce qui m'a vraiment le plus attiré intrigué, c'était les chants de gouris. Donc, les chants de gouris sont vraiment ceux qui ont un type de polyphonie le plus complexe, et notamment avec le fameux Kreimantchouli, donc une sorte de yodel. N'est-ce pas? Je pourrais mettre aussi des liens. Et donc, ça, c'est vrai que dès que je suis arrivée, j'ai commencé à m'entraîner là-dessus parce que je trouvais ça juste enfin, complètement fou, en fait, ce genre de technique. Et donc, j'ai essayé de travailler là-dessus. Mais après, dernièrement, je me suis intéressée. Donc, au début, je suis plutôt passée par les chants de l'ouest de la Géorgie. Samegrelo aussi. Donc, ça, j'aime beaucoup aussi les chants de la chapelle. Lyrique, etc. Puis, j'aime jouer du tchangouli. Et dernièrement, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer aussi les chants de l'est qui, de premier abord, me semblaient difficiles parce qu'il faut quand même avoir une technique assez particulière, notamment avec des mélismes. Mais c'est vrai que j'aime aussi beaucoup chanter de Tushéti. Et la Tushéti, il faut dire que c'est une région que J'adore je. quand tu chantes tout chouri. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Tu chantes Voilà, tout donc là, chouri. c'est vrai que disons que mon prochain objectif, c'est d'arriver à chanter les chants de Kakheti. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus difficile, en fait. Donc, on y travaille, mais on n'est pas Mais pour l'instant. je vous ai écouté, vous chantiez également les chants de Moyen-Âge, les chants français de Moyen-Âge. Avec Kimilia, on a essayé de faire quand même ressortir aussi notre double culture, du coup. Et Oui. donc, avec les garçons, on a essayé de chanter des chants français. De Guillaume de Machaut, par exemple, donc du Moyen Âge, et Oui. puis début de la Renaissance aussi. Alors, c'est très difficile, hein, c'est un vrai challenge à chaque fois, mais on ne perd pas espoir. Et c'est vrai que dans notre album, puisqu'on a, on a enregistré un album l'année dernière, on a quelques C'est chants. là où je voulais venir. Oui. Cet album, il est sorti, il va sortir. Est-ce que tu peux nous en parler? Il est sorti déjà l'année dernière. On Il existe. peut l'acheter où? En Géorgie uniquement, c'est En ça? fait. En Géorgie, mais aussi, bon, là, il se trouve que j'en ai plus en France, mais normalement, j'en ai quelques exemplaires aussi en France pour ceux qui seraient intéressés. Et puis, online, en fait, en ligne, il est aussi disponible D'accord. en ligne. Voilà. Ça Donc, ça, aussi, il pareil, faudrait qu'on partage avec nos abonnés. Oui, Et je vais. Je vais proposer à nos internautes de commencer à poser des questions à Zoé. Et le temps que j'ai des questions, je regarde mon portable pour les oui, questions. Du coup, peut-être que je il paraît qu'on voulais. m'entend pas très bien, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Il paraît Ah, alors que. peut-être que je vais fermer la fenêtre. Attends, excuse-moi. Non, non, pas toi, Zoé. Ah, d'accord. Ça vient de moi, Peut-être apparemment. parce que on a eu un véritable tonnerre là. Mais peut-être que je voulais parler. Alors, Oui. Non, oui, avant ce que je de voulais parler. dire, tu es pas mal sollicité par les. On dirait que c'est une Géorgienne, bravo Zoé. On dirait, enfin, tu es pas mal sollicité dans le média géorgien, surtout dans les télévisions qui t'invitent. Tu es une vraie star aujourd'hui en Géorgie. Est-ce que comment tu vis ça? Comment tu vis la vie quotidienne en Géorgie? C'est quoi pour toi? C'est ça qui m'intéresse, c'est que en tant que Française, quelle est ta vie, ta journée comme ça, enfin. Alors, Par rapport à la France, qu'est-ce qui change? C'est-à-dire oui. que c'est ce qui Alors, c'est vrai que m'intéresse, ça on fait va dire. tellement longtemps que je suis en Géorgie que parfois j'ai du mal à comparer parce que ça fait déjà 14 ans. J'étais très jeune quand je suis arrivée et c'est vrai que mon quotidien aujourd'hui, c'est le quotidien de Tbilissi. C'est cette façon de vivre relativement, comment dire,
j'allais dire nonchalante, mais le fait d'être, qu'il y ait une forme de spontanéité dans les, dans les projets de la vie, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui me convient bien. Le fait qu'on ressente une certaine chaleur, une hospitalité, j'aime beaucoup ça. Mais après, c'est vrai que je reste de toute façon toujours très liée à la France, évidemment, avec ma famille et mes amis, que je rentre en France pour les vacances. Donc, ça fait toujours rire les Géorgiens que je vais en France juste d'Assassiné Blas, donc pour passer la semaine. Mais pas que d'ailleurs, puisque j'en profite aussi en général quand je vais en France pour animer des ateliers, des stages de chant géorgien. Donc, ça se passe aussi en France. Et puis, en Géorgie, là dernièrement, pendant le confinement, c'est vrai que j'ai commencé à donner des cours, des petits stages en ligne En ligne. pour les Français, oui, voilà. Donc, pour les Français qui étaient intéressés par le chant géorgien, qui voulaient découvrir, ou certaines personnes que je connaissais déjà. Et donc, ça s'est super bien passé. Du coup, on pense continuer. Bon, là, on a une petite pause de l'été. Puis, à partir de septembre, ça recommencera certainement. Donc, si certains sont Mais intéressés. tu donnes aussi les cours de géorgien. C'est ça qui est génial, c'est que tu parles Oui. tellement bien géorgien aujourd'hui que tu donnes les cours de géorgien, tu donnes le Alors cours de ça, français, de chant géorgien ou français, c'est génial. Et oui. donc, Ça fait quelques temps que j'ai commencé parce qu'à la base, c'est des amis français qui m'ont dit, ah tiens, on aimerait apprendre le géorgien, mais c'est difficile, on comprend pas trop, etc. Et puis, ils me disaient, mais finalement, toi, t'es en tant que française et vu que tu as déjà ce parcours-là, tu peux peut-être nous expliquer comment t'en es arrivée là, quoi, en gros. Et donc, c'est vrai que moi, vu que j'ai une formation de toute façon de linguiste et de professeur de langue étrangère, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée d'enseigner une langue étrangère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise à enseigner le géorgien, même que le français ou une autre langue, parce que je suis passée par toutes ces étapes et que je trouve que cette langue est Et vraiment tu connais les fascinante. difficultés. Oui, voilà, ouais. Et c'est quelque chose que Alors, j'aime combien beaucoup. de temps il t'a fallu pour apprendre le géorgien, pour parler aussi parfaitement que tu parles aujourd'hui? Je dirais qu'il m'a fallu 2 ans pour parler couramment. Donc, au bout de 2 ans, là, je vois, j'avais une émission auquel j'avais participé. Au bout de 2 ans, je parlais déjà. Mais évidemment, mon vocabulaire n'était pas aussi étendu. Et donc, c'est vrai que au fur et à mesure des années, on se perfectionne toujours. Mais disons que le plus gros de l'apprentissage, c'était quand même dans les premières années. Et comme je dis aux gens, souvent, enfin, en fait, vraiment, ce qui est important, c'est la motivation, c'est d'écouter de manière très attentive. Même si je n'ai pas pris beaucoup de cours, j'ai appris beaucoup à l'oreille, mais en faisant énormément, énormément d'analyses, même si tout se passait dans ma tête. Est-ce que tu arrives à lire un géorgien, des livres, la littérature géorgienne, la littérature moderne ou la littérature classique Oui, en alors géorgien? avec les romans, c'est vrai que ça me prend un peu plus de temps parce que je lis certes, mais quand même pas très vite. Après, j'ai évidemment l'expérience de lire des articles de journaux, mais j'ai aussi Oui, lu quelques oui. récits, plutôt des petites nouvelles comme Nodar Doumbadze, par exemple, donc ce bourrien, Ouais. écrit de manière assez légère et donc c'est pas trop difficile. Mais c'est vrai que j'ai vraiment dans l'optique, j'aimerais me perfectionner maintenant dans tout ce qui est vraiment la langue un peu plus soutenue et la littérature. Ok, est-ce que tu as double nationalité? Tu as J'ai pas demandé de la double nationalité géorgienne ou nationalité pas? pour l'instant, je suis seulement française, j'ai pas demandé, mais pourquoi pas le jour où. Parce que ça demande quand même pas mal de procédures administratives. Oui, Voilà, évidemment, je ne suis pas contre. oui, Alors, du coup, à l'avenir, est-ce que tu as envisagé de rester vivre en Géorgie pour toute ta vie ou tu envisages ta retraite en France? Comme nous, par exemple, on est Géorgiens, on envisage notre retraite en Géorgie, on vit en France toute notre vie en fait. Oui. C'est toujours très difficile pour moi de me projeter, puisque comme j'ai eu quand même un parcours relativement, pas tout droit, on va dire, et pas très ordinaire, et que je suis arrivée à l'époque où j'étais étudiante, que j'ai habité dans différents appartements, enfin, j'ai eu beaucoup d'instabilité. Donc, c'est vrai que encore de nos jours, j'ai l'impression d'être toujours dans cette sorte de voyage constant. J'ai toujours pas l'impression d'être complètement stabilisée, donc il m'est un peu difficile de prévoir l'avenir. Mais évidemment, de plus en plus, je me dis, bon, même si j'ai l'impression que je ne suis pas stabilisée, c'est un fait, je suis là, donc pourquoi pas? Je ne suis pas contre, évidemment, rester là si tout va bien. Pourquoi pas aller découvrir d'autres pays? Mais je pense que ça va être évidemment difficile de se plonger autant dans la culture d'un autre pays
que ce que j'ai fait avec la Géorgie. Puis c'est vrai que c'est une culture que j'aime beaucoup. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, je resterai énormément liée avec la Géorgie. Et puis, tout ce qui est chant géorgien, c'est de toute façon quelque chose que je veux développer avec mes amis. D'ailleurs, Bien mes sûr. amis, mes amis de Ils sont Kimilia, là, depuis je 2 minutes, voilà, ils sont arrivés. Donc, là, tu... m'assure Bonjour. même. Ah, Voilà. Zura. Donc, on leur dit Ah, c'est bonjour. génial. Du coup, vous allez pouvoir chanter avec nous. Alors, j'ai pas trop de questions. Bonsoir, Gagi Mario. Majot. Alors, il a chanté, je veux dire pour mes abonnés, il a chanté à Marani à Paris, mais je ne savais même pas que tu étais partie à Tbilissi, Zura. Magram. ოჩახ რაღაც აკეთებ. ძალიან მომწონს თქვენი შემოქმედება. გაგიმარჯოთ. სანკული ღვინით. Donc là, Zura et Coca reviennent de leur travail. On n'a évidemment pas eu le temps de répéter ou quoi. Donc ça va être très improvisé, mais pourquoi pas? Il faut qu'on Donc, réfléchisse. je n'ai pas parlé de la surprise à mes abonnés. J'ai dit juste qu'il y aurait une Oui. petite surprise. Mais avant la surprise, alors, comment c'est. Alors, j'ai une question de Frédéric. Comment s'est-elle installée en arrivant, logement, travail, etc. Je pense que. Oui. Alors en arrivant, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait. Donc, comme je vous disais, j'avais très envie de venir en Géorgie, mais je n'avais pas les moyens de venir seulement comme ça en tant que voyageuse. Donc, j'ai cherché un projet qui pourrait me financer et donc j'ai trouvé un projet de volontariat. En fait, je ne suis pas arrivée comme ça sans D'accord. projet. Et donc, c'est dans le cadre de ce service volontaire européen. Donc, voilà, ce n'était pas vraiment un boulot, mais plus un petit projet qui m'a permis à la fois d'être reçue dans une sorte de structure et en même temps. D'être relativement libre pour avoir le temps d'apprendre la langue à la fois et puis les chants. Et puis de rencontrer des personnes. Alors, Zoé, j'ai encore une autre question de Daniel. Prévois-tu dans l'avenir de faire un concert en Occitanie? En Occitanie? Ah, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, on est. Alors, en fait, avec l'organisation des concerts, pour nous, enfin, ce qui est le plus difficile, c'est évidemment d'organiser, de gérer la logistique, etc. Mais si, d'ailleurs, certaines personnes connaîtraient des gens qui seraient intéressés, enfin, avec plaisir, on peut en parler pour voir si on peut venir. Avec grand plaisir, d'ailleurs. Donc, Coca et Zula ont participé à notre tournée en France l'année dernière, puisqu'on a fait une tournée pendant presque, enfin, 3 semaines, je crois, dans le sud de la France, justement. Donc, on était à Montpellier, on était à Marseille, etc. Et je crois qu'ils seraient vraiment ravis de renouveler l'expérience. Évidemment, pas tout de suite vu la situation, mais peut-être pourquoi pas à la fin de cette année-là ou au début de l'année prochaine. Super. Alors, j'ai Cyril Letellier qui te dit, bonjour Zoé, je suis très heureux de découvrir votre parcours, car déjà en 2015, j'avais été très impressionnée par les vidéos de Vincent Moon que tu avais produites et que je me demandais si tu pouvais nous raconter comment tu les as organisées. Alors, effectivement, Vincent Moon est un excellent réalisateur français qui parcourt le monde et filme la musique, on va dire, pour faire court. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, donc c'était en 2013. Et voilà, par personne interposée, on a fini par se rencontrer. Et il m'a demandé si je voulais bien organiser pour lui toutes sortes de séjours dans différentes régions de Géorgie pour pouvoir enregistrer des chanteurs. Et c'est vrai que comme j'avais déjà un certain réseau, puisque j'étais là depuis 2006, je connaissais déjà pas mal de monde. Donc c'est voilà, l'idée, ça a été ça. Ça a été d'organiser des rencontres pour que Vincent Moon et puis Priscilla puissent filmer. C'était une expérience extraordinaire. Et d'ailleurs, les deux sont revenus à l'automne dernier, en septembre-octobre. Et on a refait quelques petits films, mais qui ne sont pas encore sortis. Donc voilà, c'était... ça va sortir bientôt. Super, merci beaucoup. Alors, je regarde les commentaires, il n'y a pas forcément des questions, il y a beaucoup de commentaires, ce sont des commentaires positifs, effectivement. Merci beaucoup Merci. de tes réponses. Alors, Francis qui demande...
Ah, j'entends plus. Tamouna? Ah! Ah, mais en fait, oui, je ne sais pas du tout ce qui se passe en fait, Tamouna. Peut-être que vous m'entendez ou peut-être pas, mais ce que je vous propose, si on est en live, puisque je ne sais pas du tout si ça marche, du coup, on va vous chanter une petite chanson. Voilà. C'est une chanson qui est dédiée à la Géorgie. Ah voilà, Tamara est coupée, donc c'est bien ce qu'il me semblait, mais nous, on est donc bien là. Ok, super. On va y aller, Sakartvelo Lamazo, donc Géorgie, ma belle. Voilà, je ne sais pas si vous nous entendez toujours, puisque apparemment Tamuna n'est toujours pas là, mais je peux regarder vos commentaires sur Facebook. J'espère que vous nous avez entendus. Oui, apparemment c'était bon. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est du coup d'enchaîner avec un autre chant.
Si vous êtes d'accord, avant que Tarina nous rejoigne. Alors, on va regarder tout. La On a un tweet, toujours lui. Ah oui. Tamouna nous parlait d'un chant qu'elle aimait apparemment beaucoup, qui est un chant de Tshéti. C'est donc Netaï Bitch Omedashen. Donc c'est un chant d'amour que j'ai appris justement lors d'un de mes voyages en Tshéti. J'ai appris ça par une jeune touche et c'est vrai qu'on aime beaucoup le chanter. Super, on nous entend très bien apparemment, donc super, merci. Donc on y va? Alors là, ça demande, c'est dans une toute autre ambiance. Je crois que je n'ai jamais chanté assis, mais voilà. Donc là, peut-être vous pouvez baisser un petit peu le son de votre ordinateur ou de votre téléphone, parce que ça risque d'être un petit peu plus, avoir un peu plus de page. Je sais pas, il s'est passé quelque chose chez moi. Tout a été déconnecté. Bravo, hein, j'ai quand même réussi à vous avoir. Merci beaucoup, merci énormément. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez chanté, du coup, je ne peux pas Alors, rebondir dessus. oui, non, mais alors, non, heureusement, parce qu'au début, on pensait que c'était nous qui étions coupés. Donc, on s'est arrêté un petit peu. Ça Finalement, arrive. les gens nous C'est des aléas. voyaient. On a chanté Sacartuelo d'Amazo, donc un des chants les plus Je vais célèbres de réécouter. chant des villes. Et puis, ensuite, le fameux chant touche dont tu parlais, voilà, que tu as Bravo, parlé en fait. bravo. Est-ce que ça serait possible de faire un chant en français, du coup? Alors, un chant français. Alors, normalement, on est. Ah, oui, pourquoi pas un chant français. Donc, comme je disais, c'est-à-dire que l'année dernière, on était donc en tournée dans le sud de la France, et notamment, puisque mon père est originaire du Pays basque, on a appris aussi un chant basque là-bas. Donc, j'ai beaucoup de famille, hein, d'ailleurs, peut-être que certains m'écoutent ce soir, nous écoutent. Et donc, c'est vrai qu'on s'est aussi intéressé au chant basque et on peut peut-être vous en interpréter un, qui est finalement Super. l'hymne du basque. Et sachant que normalement, on est quatre, voilà, donc je voulais dire, mais là, aujourd'hui, un de nous n'a pas pu venir, donc on est un petit peu en effectif réduit, mais on va essayer quand même de vous faire passer voilà, ce chant.
Super. Égouac. Bravo! C'était un chant sur quoi? C'était festif. En fait, c'est un chant, une sorte d'hymne à la liberté. Voilà, c'est ah, un chant. Bien. Voilà. Super. En tout cas, je vous remercie énormément. Je vous dis à mes vous, je vous dis plein de succès à l'avenir. Et j'espère qu'on va se croiser soit en Géorgie, soit en France. En tout cas, voilà, on est là. Et si jamais il y a le concert à faire, à organiser, etc., on sera heureux de participer à cela. Je dis à mes abonnés, merci encore. Et à tous ceux qui ne nous connaissent pas, vous étiez pendant tout ce temps sur la Géorgie Vue de France, une petite association où nous invitons tous les vendredis des spécialistes des sujets différents. La semaine prochaine, nous aurons une invitée très spéciale, c'est Nino Kirtadze, cinéaste, documentaliste, et qui va nous parler du cinéma géorgien. Suivez notre page, likez la page, parce qu'il faut liker pour recevoir les notifications. Et puis, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis merci, merci pour cette fidélité, pour vos soutiens. Et vous pouvez aussi retrouver nos vidéos, tout ce qu'on a fait jusque-là et celle d'aujourd'hui, un peu plus tard, peut-être demain matin, parce que j'ai un problème de connexion, sur YouTube, sur la chaîne YouTube. C'est exactement la même chose, Géorgie Vue de France. Retenez Géorgie Vue de France et allez partout sur le net pour nous retrouver. Je vous embrasse, matloba zoe, matloba bichebo, immédiatement les choses. Très vite, c'est ça. Matloba chaîne. Voilà, nous, je pense, de la part de Kimilia, voilà, on voudrait aussi vous remercier
te remercier et puis remercier tous les gens qui nous ont écoutés. C'était un plaisir de, vraiment d'être avec toi ce soir, de te rencontrer, ne serait-ce que par écran interposé. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour. Et voilà, si certaines personnes qui étaient là ce soir voudraient avoir plus d'informations, que ce soit sur le chant géorgien ou même qui aimeraient, par exemple, venir en Géorgie apprendre les chants, donc c'est des choses qu'on fait aussi ici. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, donc je serais ravie de vous répondre. Très bien. Et il y a le site kimilia.com, c'est ça? Alors, il y a le site kimilia.com, effectivement, où vous pouvez écouter. Le CD, et puis voilà, puis après sur ma page personnelle aussi de Facebook, puisqu'on est sur Facebook, n'hésitez pas à envoyer des messages si vous avez des questions particulières ou voilà, que vous aimeriez être informé des nouveautés, puisque c'est vrai qu'on envoie aussi on a aussi une mailing list, voilà, c'est eux qui voudraient recevoir des informations. Merci Zoé, merci Coca, et merci Trano. Merci à vous. Si tu veux, on prend le sommaire. Merci à vous. Merci à vous. Donc, Coca aussi d'ailleurs est de San Miguelo. Et voilà, on va vous chanter une dernière chanson en vous remerciant encore une fois. C'est un chant de mariage. Voilà. Ah ouais. Madlova, God's me, di Madlova. Madlova, Arigat.